Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 174, une émission juste après les BAFTA, la dernière grosse cérémonie qui récompense l'année passée. Et oui, les BAFTA Awards, c'est une cérémonie annuelle qui récompense plusieurs médias, dont les jeux vidéo, et le meilleur jeu pour cette cérémonie, c'est Destiny, le jeu de l'année. Un choix assez bizarre, en tout cas nous on commentera pas pour cette fois-ci, mais on a une News Gamer qu'on vous commente tout de suite. Au sommaire cette semaine, des vidéos pour The Witcher 3 Wolfenstein et des infos pour le prochain Homefront. Au programme aussi, une invention, des reports et une blessure. On vous passera au crible le nouveau jeu de guerre de chez Electronic Arts, Battlefield Hardline. Et nous vous passerons aussi au crible la nouvelle création de Tim Burton, Big Eyes. On se quittera avec un film de Disney. Alors que Star Wars 7 est encore en tournage, on a déjà la date pour Star Wars 8. Et oui, Star Wars 8 sortira le 26 mai 2017, soit 40 ans après le premier épisode sorti en 1977. Ça fait un bail, en tout cas c'est un bel hommage. Et tout de suite, une vidéo pour The Witcher 3. Revoilà The Witcher 3. Après une courte pause médiatique, c'est le retour des vidéos de gameplay pour le RPG de CD Projekt. Au programme, une quête secondaire dans une grotte, histoire de rencontrer de nouveaux monstres. On peut voir que les paysages du jeu restent très jolis et que l'univers est entièrement ouvert. The Witcher 3 arrivera le 19 mai prochain. Definitely stronger than wolves. Preparing for the upcoming battle is key to our success. For this particular fight, it seems like a smart move to... Annoncé la semaine dernière, Wolfenstein The Old Blood s'est illustré durant un live au PAX Est 2015. Le standalone préquel à Wolfenstein The New Order se montre durant près de 20 minutes. D'après ce que l'on voit, le jeu est toujours aussi bourrin avec de l'action en permanence et des armes plus folles les unes que les autres. Wolfenstein The Old Blood sortira le 5 mai prochain sur Xbox One, PS4 et PC. Lors du PAX 2015, Cliff Bleszinski, le créateur de la série Gears of War, est sorti de sa retraite médiatique pour nous présenter son nouveau projet. On a donc découvert Project Blue Streak, un FPS free-to-play en début de développement pour le moment. Il faudra attendre quelques semaines supplémentaires pour avoir plus d'informations. Vous le savez peut-être, le développement de Homefront The Revolution n'est plus assumé par Crytek mais par Deep Silver. Pour cela, l'éditeur a ouvert un nouveau studio de développement, Dumbbuster Studios. 126 personnes, dont des anciens de Crytek, sont actuellement au boulot pour faire d'Homefront 2 un jeu incroyable. Le projet devrait être un FPS à monde ouvert et devrait sortir en 2016. Titanfall aura un successeur. Respawn Entertainment vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Titanfall 2 et attention, le titre ne sera pas exclusif à Microsoft mais sortira aussi sur PS4. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment si ce n'est que les développeurs ont compris quelques-unes de leurs erreurs passées. On verra bien dans les mois à venir. Pour la deuxième semaine consécutive, on vous parle de Rock Band 4 dans À ne pas retenir. Annoncé la semaine dernière, Rock Band 4 fait déjà parler de lui et en mal, puisque Harmonix vient d'annoncer que les nouveaux instruments qui seront construits par Madcast n'auront aucune nouveauté, c'est donc un remake et puis c'est tout. Et à la fin du sujet, des nouvelles du prochain Pirates des Caraïbes. Alors que l'idée des casques de réalité virtuelle commence à faire son chemin, des inventeurs ont envie d'aller un peu plus loin avec le Feel Real. Cet outil étrange que l'on connectera sur l'Oculus Rift permettra d'émettre des odeurs, de la chaleur et de l'humidité en fonction de ce qu'il se passe dans votre jeu. Une idée saugrenue, mais qui pourrait quand même être drôle. Uncharted 4 ne sortira pas cette année. Sony a pris la lourde décision de repousser le jeu après plusieurs départs chez Naughty Dog. Le titre sortira donc au printemps 2016, sans donner plus de précision. Le jeu est finalement beaucoup plus ambitieux que prévu. Espérons maintenant que le résultat final soit à la hauteur.
À force, ça ne nous fait plus rire, Project Cars est encore une fois repoussé. Le jeu de course de Namco Bandai subit un report supplémentaire, amenant la date de sortie à mai 2015. La raison invoquée est l'ambition du projet qui oblige un travail parfait et donc un peaufinage de dernière minute. C'est sympa, mais ça fait déjà 6 mois que le jeu est peaufiné, il faudrait penser à le sortir un jour quand même. Whoops, looks like I broke a bit too late there, but lucky it was just a cone. So I'm gonna shut up now whilst I concentrate and you can enjoy the remainder of the session. Vous vous plaignez parce que l'installation d'un jeu c'est long? Eh bien attendez de voir Star Citizen. Lors d'une interview, le studio qui développe actuellement le jeu a répondu que Star Citizen ferait 100 Go à l'installation. Un chiffre énorme même pour un jeu PC. Les différents éléments graphiques sont bien trop lourds pour que le poids soit inférieur. Et sachez que les patchs feront entre 5 et 6 Go chacun. Bref, il va falloir un gros disque dur pour contenir tout ça. Après Harrison Ford il y a quelques semaines sur le tournage de Star Wars 7, c'est au tour de Johnny Depp d'être blessé sur le tournage de Pirates des Caraïbes 5 cette fois-ci. La blessure à la main est anodine mais oblige malgré tout la production à retarder le tournage. S'il pouvait en même temps se rendre compte qu'il faudrait mieux arrêter tout court, ça serait bien. Je crois qu'il serait mieux pour toi que tu... Ne t'en mêle pas. De nombreux dangers nous guettent. Pour commencer. Cette semaine, un passé au crible de très très haut niveau avec les sorties entre autres de Mario Party 10 ou de Final Fantasy Type 0 HD, et nous on va vous parler de Battlefield Hardline un peu plus en détail. Au cinéma, c'est pareil, il y a du lourd, Divergent 2, Hacker, Steel Alice, et nous on va aller voir Big Eyes. Battlefield Hardline, c'est le nouveau FPS d'Electronic Arts qui parle de flics contre truands, et Big Eyes, c'est un film qui parle d'enfants avec deux gros yeux. Le jeu de guerre d'Electronic Arts cette année, c'est Battlefield Hardline. Graphiquement, Battlefield Hardline reprend le même moteur que Battlefield 4. Même si aujourd'hui on fait mieux en termes techniques, le jeu reste tout de même joli à regarder, notamment pour tous les effets de lumière et les effets de particules, comme par exemple le sable. Par contre, on notera une légère baisse technique en termes de destruction de décors. Ce dernier se détruit moins bien, ce qui peut devenir très frustrant. Oubliez la mollesse de Battlefield 4, ce Battlefield Hardline reprend un peu les bases. Je dis un peu parce que c'est quand même loin d'être impeccable. La destruction des bâtiments est loin d'être optimale et les classes de personnages ne sont pas toutes complémentaires, mais au moins on a un jeu dynamique et c'est déjà ça. On le sait tous, Battlefield Hardline est un épisode de transition, c'est-à-dire qu'il fait juste emprunter le nom Battlefield pour les ventes. Cette fois-ci, le contexte est différent puisqu'il est ici question de policiers contre malfrats, et ça, les développeurs ne l'ont pas oublié. Même si on retrouve les modes classiques comme la conquête ou le match à mort, Battlefield Hardline nous offre des modes parfaitement ancrés dans le contexte. Il est par exemple possible de braquer des banques ou encore de lancer des courses-poursuites. Très bien pensé. Malgré son intérêt limité, ce Battlefield Hardline reste intéressant, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Ça te parle ce genre de truc? C'est exactement les méthodes de ces types, mec. Le nouveau film de Tim Burton est une histoire vraie et il s'agit de Big Eyes. Le casting de Big Eyes est plutôt bien rempli. Au niveau de la caméra, on retrouve le très étrange et talentueux Tim Burton. Tout le monde connaît ce personnage, mais rappelons qu'il est à l'origine de Frankenweenie et Charlie et la chocolaterie, entre autres. Pour les comédiens, Tim Burton a fait appel aux très bons Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Houston et Kristen Ritter. 17 millions de dollars, le monde artistique est en totale ébullition. Pour une fois, Tim Burton ne fait pas dans l'esthétique noire, mais garde tout de même son esthétisme. Les images sont magnifiques et racontent une histoire d'elle-même. La mise en scène est simple pour rendre la réalisation dynamique. Le tout nous fait passer un très agréable moment. Comment ça? Je me rappelle quand maman a peint cette toile. Le synopsis de Big Eyes raconte la scandaleuse histoire vraie de l'une des plus grandes impostures de l'histoire de l'art. C'est à la fin des années 50 que Walter Keane se fait passer pour un peintre talentueux aux yeux de tous. Le seul problème, c'est que le vrai artiste n'est pas lui, mais sa femme, qui peint à longueur de journée
des tableaux représentant des enfants malheureux avec de gros yeux. Au début des années 60, l'affaire éclate au grand jour et passe devant la justice. Une histoire hallucinante, très bien réécrite pour le cinéma. Big Eyes est un très beau film bien maîtrisé qui mérite bien la note de 5 vaches sur 5. I lied to my child. I'm just not that kind of person. Is your husband that kind of person? Et voilà, cette émission touche à son terme, mais si vous voulez la retrouver ou en retrouver plein d'autres et plein d'autres informations, il faut aller sur internet. Et oui, il faut aller sur total-gamer.com où vous pourrez retrouver plus de news, là on en a dit une petite dizaine, mais c'est pas beaucoup, et vous pourrez aussi retrouver plus de vidéos, un forum, plein de choses, et toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et je vous rappelle que si vous avez des questions et que vous voulez nous les poser en direct, il faut aller chez notre partenaire jeuxvideostream.com le lundi soir à partir de 20h30. Et on se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Tomorrowland. Tomorrowland, en français à la poursuite de demain, c'est un nouveau film de Disney avec Hugh Laurie et George Clooney qui nous raconte une histoire un petit peu bizarre où un pins nous fait voyager. C'est un peu trop sérieux pour Disney, on a l'impression, mais ma foi ça a l'air pas trop mal. On espère que vous avez apprécié et on se dit à la prochaine. Salut. With every second that ticks by, the future is running out. Newton. That's not mine. What's not yours? The pen. I've never What if there was a place? Dad, I just need you to look at this. Does it look weird? A secret place where nothing was impossible. You're not seeing this! Casey, stop it! Go away! Did you see the dog? Cool. I want you to take me there. Take you where? Where'd you get this? Who are you, kid? What you saw was a place where the best and the brightest people in the world came together to actually change it. We've been looking for someone like you for a very long time. Why? Did something happen over there? Something bad? They followed you here? Who? Come on! Get in! How is this a good idea? There's one way in. They know we're coming, so follow me. All the people, why me? He thinks you can fix the future. Wanted to see Tomorrowland. Here it comes.